certaines factures dans la maison. Depuis quelques semaines, nous avons mis notre nouveau compost en marche à la région administrative. Et ça ne s'arrêtera pas. Tant qu'ils n'ont pas cessé, tant qu'ils ne cesseront pas, nous continuerons à les poursuivre. Il faut que le banditisme finisse complètement dans la région. C'est ça qui va nous amener la paix, parce que c'est le plus grand perturbateur. Donc je demande à la population de Zérékoré, de veiller, les chefs de quartier, de dénoncer tous les bandits, tous les bandits à tous les niveaux. Donc c'est ce que j'avais à dire. Continuons à travailler. Félicitations à la gendarmerie. Deux fois, félicitations à la gendarmerie encore. Ils font bien leur boulot ici, en région forestière. Je vous remercie. De la lutte contre le banditisme, la consommation et vente de chanvre indien ainsi que d'autres produits toxiques en région forestière, nos forces de sécurité ont procédé à un ratissage sur certains sites des malfrats et ont découvert au quartier d'Irota dans la commune urbaine de Zérékoré un lieu où certains de ces éléments culturels du chanvre indien dans une case. Ces personnes appréhendées ont été entendues sur procès verbal et seront conduites au parquet du tribunal de première instance de Zérékoré chargé de les punir. Nous réitérons à la population que cette lutte ne connaîtra pas d'entorse et continuera avec l'évolution de ce banditisme qui sévit dans notre région. Monsieur le gouverneur de la région administrative de Zérékoré, le préfet et le commandant de la région gendarmerie gyro-forestière exhortent tout un chacun à contribuer pour la continuité de la réussite de cette mission en Guinée-Forestière. Je tiens à vous informer aussi que ce groupe que vous voyez devant vous, d'autres disent que c'est du cocaïne ou pas. De toute façon, nous ne pouvons pas dire que c'est du cocaïne ou bien quoi. Il serait mieux vraiment de les acheminer vers un laboratoire qui peut confirmer qu'effectivement c'est du cocaïne. Donc, je vous remercie. Votre nom ? Adjudant Ibrahim Akalif. C'est bon.